Chère Ivoirienne, Ivoirien, toi qui vis ou séjournes sur le territoire ivoirien, je te salue. Je suis le frère Aka Emmanuel et je vous remercie d'accorder un peu de votre temps à ce message. Je souhaite interpeller tout un chacun à prendre un temps devant le Seigneur Jésus, maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses, qui n'a ni commencement ni fin de vie. À lui seul la gloire, l'honneur et la louange pour les siècles des siècles. Oui, très cher, prends un temps pour entrer en toi-même, pour examiner ta conscience. Vois la vie que tu as menée jusqu'ici et fais le bilan des actes négatifs que tu as posés. Vois la misère de ton âme, de l'âme qui t'a été prêtée et pose-toi la question de savoir. Est-ce dans cet état que je vais la présenter à mon Créateur? Il pourrait t'arriver de dire, c'est ma vie. Mais pose-toi la question de savoir si ton corps est même au-dedans de toi, qu'as-tu créé? Rien ne t'appartient, tout a été prêté. Et il vient le jour où tu devras rendre compte de ta gestion, de la gestion que tu auras faite de ta vie. Je ne souhaite pas que ce jour-là, tu te tiennes devant le Seigneur, sans personne à ton côté pour plaider pour toi. Toi qui m'écoutes, je t'invite en ce jour à délaisser tes mauvaises voies, pour t'attacher à Jésus, en te repentant de tes péchés, pour marcher en nouveauté de vie en tant qu'enfant de Dieu. Nul ne sait ce que sera demain, et rien ne te garantit que tu verras de nouveau le soleil se lever. Que le Seigneur bénisse tout un chacun avec le don de la vraie repentance. Shalom.